Et dedans, ils sont passés où, ceux-là du club? Faudrait pas les perdre non plus. Salut, salut à toutes et à tous. Rarement dans l'histoire de la Ligue 1, Derby du Nord, on a déchaîné autant de passion, on a été aussi tendu parce que c'est l'avant-dernière journée du championnat. Tout simplement envoyer ce soir Lens dans la zone de cet été. Aïe! On m'y est, hein? Il m'a tiré des mains à cul, hein? Je vois pas, hein? Ben ouais, mais je suis trop tendu. J'ai pas eu de place pour Lens Lille, le derby de Schmeur. Attends, dégomme-le, lui. Je suis pas un ch'ti. Schmeur, elle est honnête. C'est tout quoi, ce bouquin? T'en as pas fini de tirer sur tous les gens, hein? Ben ouais, mais je fais tout petit tendu. J'ai pas eu de place pour le derby. Oui, ben tu me ranges tout ça, hein? Et tu rentres le baraque à faire tes devoirs. Et puis Meshkaway, hydrage dehors. On sait maintenant que cette pluie battante, c'était bien un terrible chagrin qui s'abattait sur Bollard. Des gestes à éviter. Aubragnac. Réussi à redonner ce ballon. Beria, Makoun. Makoun en retrait, c'est bien fait. Pour Cabaye, l'ouverture du score. 43e minute, l'ouverture du score pour le LOSC. But signé Johan Cabaye. Que c'est dur pour les 101 de Jean-Pierre Papin. Le 7e but de la saison pour Johan Cabaye qui délivre le stadium. Alors c'est dur parce que ça ne reflète pas forcément le début de match, même si les Lillois mettaient depuis quelques minutes leur empreinte sur cette première période. Mais surtout c'est dur parce que ça arrive à quelques secondes, quelques minutes de la pause. Et ça c'est terrible pour les Lensois. Il va falloir maintenant vite réagir, vite se remettre en question. On voit un bon enchaînement, beaucoup de liberté, on n'est pas au marquage, il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de Lensois, mais regardez, on se fait prendre par ces passes en retrait, deux de suite et personne au contact du porteur du ballon. Cabaye ensuite n'a plus qu'à ajuster, il a en tout cas l'intelligence, non pas de frapper en force, mais de mettre le plat du pied pour contourner Vedran Rubio. Et que c'est dur pour Gervais Martel, qui vit sans doute les heures les plus sombres de sa présidence à la tête du Racing Club de Lens. Lens qui est mené 1-0 juste avant la pause. Je suis vedette. Le jeu vers Aubragnac, poursuivi par Belhadj. Aubragnac, il a fait la différence, le centre d'Aubragnac, avec la tête de front, et finalement le deuxième but. La déception sur le visage de Gervais Martel et de Vitorino, il donne le Lens qui fait le break avec ce deuxième but inscrit par Pierre-Alain Front. Il y a eu beaucoup d'implications dans cette action, dans cette construction d'abord. La disponibilité chez Aubragnac qui fait la différence vers l'intérieur. Encore une fois, regardez 2, 4, 5, 5, 6 Lensois dans la surface des réparations. Un seul Lillois, c'est Pierre Alinfo, qui malgré lui aussi un angle assez réduit, arrive à frapper cette tête et à donner un deuxième coup sur la tête des Lensois et de son président Gervais Martel. Ouais, c'est un qui vous a proposé hein, la réaction en direct sur le deuxième but lillois et de Gervais Martel et de Vitorino. Hilton lance mené 2-0.
avec le remplacement à l'instant de Cabaye, le premier buteur de Lillois remplacé par Lichtsteiner. Nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Il la coince après de la scierie et très méchamment lui dit: si tu me donnes pas ton hanche en moins de deux, je vais te couper en deux. Puis il l'empoigna. Et il la ficela. Il l'a mis sous la scie. Avec la défaite donc de Lens, de Buzyn ici à Lille, il y a 11 ans. Lens battait Lille et envoyait quasiment le LOSC en Ligue 2 ce soir. L'histoire s'inverse. Lens fait la très mauvaise opération de la soirée. Il n'y a pas que les joueurs qui doivent se poser des questions et qui doivent se remettre en question. Mais je pense que il y a certaines personnes qui doivent se remettre en question, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il a manqué, Tofilou? Ah ben, il a manqué beaucoup de choses. C'est-à-dire c'était l'horizon. Beaucoup de choses. Ouais. Il doit y avoir une infusion. C'est-à-dire si Lens fait la très mauvaise opération, Philippe? Oui, je suis pas sûr que les Lensois puissent se relever de tous ces problèmes. Le seul regret aujourd'hui, c'est peut-être de ne pas avoir joué la première période comme la deuxième. Il y a quand même eu des occasions, des situations de but intéressantes, et puis toutes ces erreurs de marquage défensivement.